j son ame repose en paix c'est pour cela vous voyez il y a des gens qui vivent euh, en europe amérique partout la aider quelqu'un se Salut à tous et bienvenue encore sur Jésus-Nusilien. Une fois de plus, merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui oui, Josie News est de retour et que Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça déposez vos valises, vos bagages, vos venez à Moscou et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça oui, ici nous sommes spécialisés en Congo. Ça nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Yeah, donc, la famille, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de différent et éducatif, comme toujours. Certains de nous, nous allons apprendre dans cette vidéo, ok? Bon, mais voilà comment l'histoire se déroule. Euh, une jeune femme euh, vivant aux États-Unis du Ghana. Elle va aux États-Unis et puis euh, elle est confortablement assise. Elle a sa maison, son travail, elle vit bien, elle ne manque de rien. Elle trouvait un mari puis font les mariages et puis sont là à l'aise, à l'aise. Et comme dans un mariage, la bénédiction, comme on dit toujours, c'est les enfants. Elle commence donc à faire les enfants et Ce premier garçon et puis euh, le travail, vous savez, en Amérique, euh, Europe, partout, hors de, de l'Afrique, quand tu accouches, ce n'est pas comme en Afrique, quand tu accouche tu as tes belles-sœurs, tu as ta maman, tu as tes cousines, on va te laver, on va laver l'enfant, on va faire ceci, tu dois seulement te coucher, on doit tout faire pour toi. Non, hors de l'Afrique, Europe, Amérique, Angleterre, France, partout, Italie, là, quand tu accouches là, tu te lèves, tu fais tout. Parce que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as pas de bonne, tu n'as personne. Tu dois faire tout. Tu dois laver l'enfant, tu dois laver ton sol, tu dois préparer ce que tu dois manger, tout, tu dois tout faire seul. Bon, elle a dit à son mari que voilà, chérie, euh, le travail, là, hein, c'est un peu trop pour moi. Euh, causons, euh, et on cherche, euh, même si c'est dans ma famille. Cousine, cousin, cherchant quelqu'un qui peut venir m'aider ici en Amérique. Et comme son mari l'aimait, son mari a dit, ok chérie, il n'y a pas de problème si je suis prête. Et puis, euh, on cherche euh, quelqu'un, on amène en Amérique, quoi. Voilà, être tombe encore à la couche deuxième. Elle enfin, dit, oh chérie, alors si je ne peux plus avec mon travail et tout, et tout, et être travailleuse, je ne peux pas. Prendre soin des enfants comme cela, non, 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 non. Ils ont causé. Voilà alors elle envoie la nouvelle à sa maman en Afrique, au Ghana, que voilà, je cherche quelqu'un qui va venir en Amérique m'aider et tout et tout. Sa maman dit, oh ok, il euh, y a telle personne là. Est-ce que tu peux prendre telle personne, sa cousine? Euh, elle dit, ok, il n'y a pas de, 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 de soucis, c'est comme cela, elle prend euh, sa cousine, quoi. Elle amène euh, en Amérique. Et le visa était pour six mois. Bon, quand sa cousine arrive, selon les médias, comme je dis toujours, si je ne vois pas sur les médias, je ne pourrais même pas mettre ma bouche là. Bon, c'est comme ça, elle arrive alors en Amérique, elle fait euh, le ménage, tout et tout, tout et tout. Et quand elle voit que euh, le visa est déjà en train de finir, il restait euh, trois jours pour que le visa finisse. Alors, elle laisse cette femme à la maison avec les enfants et son mari. Elle se rend à l'immigration euh, là-bas aux États-Unis. Elle va dire euh, aux États-Unis que cette femme euh, a causé avec sa maman en Afrique. On l'a amenée euh, aux États-Unis sans qu'elle ne voulait. Elle ne voulait pas venir. Et depuis qu'elle est venue, cette femme euh, a pris son passeport et elle travaille pour cette femme. Cette femme ne lui paye pas. Que elle est comme esclave. Elle n'a pas dit quoi. Elle a dosé, elle a menti, elle a dit les choses. Que cette femme, maman, ce n'est pas ce qu'on pense, que non, elle a causé qu'avec sa maman en Afrique, on l'a amenée en, en, en Amérique, elle ne voulait pas, et maintenant, elle travaillait, on ne lui payait pas, on a même pris son passeport, elle était comme une esclave, elle ne pouvait même pas sortir, rien, 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 elle est toujours enfermée à la maison et tout, et tout, et tout. Vous connaissez alors, euh, hors de l'Afrique, les gens la font souvent comme si elle. Voilà alors, l'immigration vient, on ne pose même pas la question à cette femme, on en bat cette femme directement derrière les bars et puis ils au parquet et tout et tout et tout et finalement euh, la jeune fille euh, elle a gagné et cette femme alors donc cette femme euh, qui l'a invité en Amérique on la met en prix pour cinq ans on lui a donné cinq ans bon elle et son mari alors ils n'ont pas su quoi faire vraiment la dépré, quand on dit quand on dit que... Quand tu restes ta page, viens là. Ça a commencé. Elle pensait. Oh, oh. Hé, hey, hey, C'est moi qui ai affaire. C'est que mon mari accepte même mots. Pour que j'amène cette fille. Oh, voilà, voilà, voilà. Mais il y avait... Elle a tout dit. On a dit que non. Ce que cette fille a dit, c'est la vérité. Elle a d'abord fait comment pour atterrir chez toi. Sans que tu ne viennes signaler que voilà, voilà. Une personne vit avec toi. Elle a fait... Maman, on n'a pas fait quoi. Elle a fait les cinq ans là derrière les bas. Et directement quand les cinq ans sont finis, voilà on la porte directement là-bas pour la report directement Pam au Ghana. <laughs> quand elle atterrit au Ghana, alors elle avait déjà plusieurs maladies euh, quand elle était derrière les bancs, en Elle avait tellement de maladies. Elle avait euh, la tension et tout, et tout. On dit qu'il y avait même un truc comme le... Euh, on appelle ça quoi? Tumeur qui grandissait dans sa tête. On a fait plusieurs opéras. Ça n'a pas marché. Et puis, quand on l'a envoyé au Ghana, maintenant, elle avait la bas ça aggravée. Elle pensait tous les jours. Elle pensait son mari aussi. On dit que ça n'a pas mis long. Son mari aussi rejoint ses ancêtres. Et à cause de, de, de ce qu'elle a euh, enduré en Amérique, en rentrant euh, au Ghana, sa mère avait déjà rejoint ses ancêtres, que voit ma fille, elle a fait quoi, qui Vous connaissez nos mamans africaines, ils aiment toujours penser, penser, la penser. Voilà alors, sa maman a rejoint même les ancêtres, avant qu'elle ne sorte même derrière les bars. Bon, elle arrive au Ghana alors, elle est seule et elle réfléchit, elle dit, elle va faire comment avec sa vie, elle va recommencer, où Elle va, elle va. Et celle -là, alors, sa cousine qu'elle a pris pour l'Amérique alors, dit, euh, à, euh, c on appelle ça quoi, l'immigration que... Il euh, y a ces deux enfants au Ghana, que comme celle-ci s'est retournée au Ghana, comme cela, ces deux enfants sont en danger avec son mari euh, parce qu'elle est, euh, ou c'est quoi, quoi dans la société, ou c'est DP quoi, président de quoi, quoi, quoi euh, dans la société là-bas au Ghana, que, euh, que, que l'immigration prenne ses enfants, c'est que cette femme va seulement t'aimer. C'est voilà alors, l'immigration euh, de l'Amérique, alors, envoie prendre les enfants. Euh, euh, de celle de la bonne qu'elle avait prise avec son mari pour les amener en Amérique et celle-ci retournait alors au Ghana. Celle-ci est au Ghana. Vraiment, cette histoire, la famille, c'est touchant c'est touchant, du dit que, aider là, tu aides quelqu'un, la personne vient encore que, hé hé, y a les histoires ici dehors. Oh. Voilà, alors, elle reste au Ghana, elle est dépassée, elle fait tout genre de business, ça ne va pas. Maladie sur maladie, que, elle est même devenue, donc elle ne voyait même plus. Et, comme Dieu fait souvent ces choses, elle a trouvé un homme qui l'a aussi pris, l'aimé, elle vivait avec l'homme et tout et tout et tout. Mais, on dit finalement, euh, le 19 euh, août 2021, un, elle a rejoint ses ancêtres donc cette année, le 19 août elle a rejoint ses ancêtres parce qu'elle ne pouvait plus vous savez quand l'association comme ça t'arrive, tu commences à penser et quand tu penses des maladies sur le tu as ceci, tu as cela, tu as ceci tu as cela, donc tout en même temps, dans la famille je vous assure et vos yeux quand vous voulez aider quelqu'un là. Parce que les situations comme ceci, quand les gens comprennent même, aider quelqu'un là, il y a plusieurs histoires. Et si je partageais seulement les histoires comme ceci sur cette chaîne-ci là, c'est que vraiment, euh, et qui est Josie, tu vois le comme ça, tu dis, ah, ah, tu dois encore aider quelqu'un dans cette vie. Tu aides quelqu'un, la personne vient encore, hein, la personne prend tout, mon frère. Elle s'installe alors en Amérique avec ses affaires et son mari, non? Toi, tu retournes. Alors que tu l'as aidé en l'amènant, même si tu travaillais chez elle et qu'elle ne te payait pas, en tant que cousine, as amené des chez elle en Amérique, tu ne sais même pas toi-même. Tu l as fait seulement cinq mois, quelques semaines. Donc, le visa était pour six mois. Peut-être on renouvelle le visa ou quoi que ce soit. Tu ne sais même pas qu'en passant même par là, tu peux avoir invite même euh, ta famille euh, ton mari et tes enfants donc euh, ce n'était pas seulement dit oh on la amene pour l'escla o oh, o ne la paie pas el ne sor pas à la maison ah maman une histoire tellement euh, bien arrangé donc tu sans qu qu'elle a arrivé à la maison elle a commencé à dir ah je ne peux pas retourner o gana e je vais planifier une histoire que amaf mide même l'immigration là va me regale dit que non Et elle a fait jusqu'à ce que ça a marché. Et bon, celle-ci a rejeté ses ancêtres. Son mari a rejoint ses ancêtres. Sa mère a rejoint ses ancêtres. Vous voyez que vraiment, dans la vie, aider quelqu'un, il faut bien écarter vos yeux. Même si c'est un membre de la famille, étudiez bien le comportement de quelqu'un, surtout. Vous savez, ça ne se cache jamais. Ça ne se cache jamais. Et étudiez bien le comportement de quelqu'un avant de l'amener chez toi. Avant de l'aider, même parce qu'il y a certaines personnes, tu les aides aujourd'hui là, non? Et tu entends ce qui parle de toi par derrière. <laughs> tu te dis que vraiment, tu as aidé quelqu'un comme cela, mais en tout cas, on fait tout que pour Dieu. Bon, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires. Vous savez ici, on cause de tout et de rien. Bon, partagez-moi cette vidéo pour que, oui, des femmes, là, puissent apprendre que voilà, voilà, voilà. Et son mari n'avait même pas hésité de dire non. Son mari acceptait tout ce que sa femme disait. Peut-être aussi son mari disait que non, ne prends pas celle-là. Il faut prendre, il faut chercher une bonne même ailleurs. Et les choses comme ça ne pouvaient pas euh, peut-être arriver. Mais on dit toujours que euh, peut-être c'était la, la volonté de Dieu. Bon, dites-moi qu ce que vous en pensez sur les commentaires. Je vous aime comme toujours. Et bisous à tous.